Salut les terriennes et salut les terriens. Les éclipses de soleil totales sont un des spectacles gratuits que la nature nous offre. Beaucoup trop rarement, hélas, et loi de Murphy oblige, forcément par temps nuageux. La Lune masque complètement le soleil et exactement le soleil, et seule reste visible une infime partie de la couronne, dont les protubérances. Ce spectacle défie pourtant les lois de la probabilité. Le diamètre apparent de la Lune est exactement celui du Soleil. Or, la Lune est à environ 384 000 km, alors que le Soleil est à 149,6 millions de km. Et ce rapport d'environ 400 est à peu près celui de leur diamètre, 3474 km pour la Lune, contre 1,39 millions pour le Soleil. L'angle sous lequel nous voyons le Soleil et la Lune depuis la Terre, approchant les 0,5 degrés, et les distances Terre-Lune et Terre-Soleil évoluant, puisque les orbites sont elliptiques, la Lune apparaît parfois plus petite que le Soleil et donne lieu à une moins spectaculaire éclipse qu'on appelle annulaire. Il n'empêche, la probabilité est-elle si étonnante que cela? Est-ce un véritable miracle ou un simple coup de bol? Une question préalable. La distance Terre-Lune évolue. On le sait, quelle est alors la fourchette de temps pendant laquelle le spectacle peut être admiré? Sommes-nous pile poil au moment où le spectacle est visible, ce qui rendrait la coïncidence encore plus dingue. Christian Buti, maître de conférences hors classe en sciences de l'éducation à l'IUT de l'Université Lyon 1, s'est amusé à faire le calcul théorique de l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre. Le lien est dans la description. Il est parti du constat que le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même se ralentit par effet de marée, que la distance Terre-Lune augmente et que les deux effets sont liés. Il démontre par ses calculs cette liaison et vérifie l'ordre de grandeur de ces effets observés. Ces calculs sont d'après lui du niveau d'élève de terminale S. Je vous laisse regarder le détail de ces calculs et son résultat théorique est de 3,4 cm d'éloignement par an. Je vous invite également à aller voir la première vidéo d'AstronoGeek sur ce sujet. Je vous mets aussi dans la description le lien vers un PDF qui traite des calculs permettant de savoir depuis quand les éclipses annulaires sont visibles, depuis la Terre bien sûr, et dans combien de temps les éclipses totales ne seront plus possibles dues à l'éloignement de la Lune. Grâce, entre autres, aux réflecteurs posés sur la Lune lors de différentes missions spatiales, dont certaines missions Apollo, nous mesurons régulièrement la distance Terre-Lune de nos jours. Et les scientifiques ont calculé que l'éloignement réel est de 3,78 cm par an. À partir de cette vitesse d'éloignement, les calculs nous disent que les éclipses ne sont plus toutes totales depuis 892 millions d'années. Avant cela, la Lune était trop proche de la Terre et paraissait plus grosse. Et dans 545 millions d'années, nous n'aurons plus la possibilité d'en observer car la Lune sera trop éloignée et donc trop petite depuis la Terre. Tout ça par rapport au Soleil qui lui se rapproche et grossit, mais ça c'est une autre histoire. Cependant, d'après certains chercheurs, cet éloignement n'est pas constant, il accélère. Les calculs proposés reposent sur une linéarité de cet éloignement, les résultats sont donc approximatifs et pourraient être plus proches que prévu pour la fin des éclipses totales. D'après tous ces calculs, on peut donc supposer que toutes les espèces vivantes depuis la sortie de l'océan ont eu le plaisir d'admirer des éclipses totales. Nous ne sommes pas à un moment particulier, privilégié de l'histoire du vivant. Même si les éclipses totales
c'est-à-dire non annulaires, sont un épisode d'une durée de 1 à 1,5 milliard d'années, ce n'est qu'une partie de l'histoire de la Terre. Mais dans celle du vivant, terrestre, c'est énorme. Nous aurions pu apparaître 100 millions d'années plus tôt ou plus tard, nous aurions quand même profité de ce spectacle grandiose. Le plus drôle est que la Lune est elle-même un astre improbable. Un satellite aussi gros et proche pour une planète aussi petite que la nôtre est un record dans le système solaire. Selon le scénario de la création actuellement privilégiée, la Lune est l'enfant des amours fusionnelles et très tumultueuses de l'embryon de la Terre et de Théia. L'avocat du diable pourra faire remarquer que la formation d'une Théia sur le point de Lagrange, et donc le choc qui s'ensuit fatalement, pourrait être une constante. De même qu'une planète géante comme Jupiter, comme bouclier anticomète, n'est pas forcément rare. Hélas, les détections de systèmes solaires de plus en plus nombreux indiqueraient qu'un beau système bien ordonné comme le nôtre serait plutôt une rareté. Une Terre grossie par Théia et stabilisée par la Lune devient encore plus improbable. C'est l'hypothèse de la Terre rare. Je pense que je ferai bientôt une vidéo spéciale sur cette théorie qui demande vraiment que l'on s'y arrête. Mais alors, que dire de la coïncidence donnant lieu aux éclipses solaires? Le principe anthropique permet de justifier que nous nous trouvions sur une planète pile poil dans les zones d'habitabilité de la galaxie et du système solaire, avec de la tectonique des plaques pour renouveler l'atmosphère, un champ magnétique protecteur, un gros satellite stabilisateur du climat, peut-être des caractères, tous conséquences de l'impact avec Théia qui a donné une Terre plus grosse. Sinon, tout simplement, nous ne serions pas là pour en parler. Par contre, il est difficile de justifier que la Lune soit exactement la même taille que le Soleil avec ce principe anthropique. Peut-être en fait est-ce lié. Le rôle de stabilisateur d'une Lune proche et massive est peut-être encore plus capital pour l'apparition de la vie évoluée que nous ne l'imaginons. L'évolution animale a déjà été assez chaotique, pour ne pas en rajouter avec un axe de rotation terrestre évoluant aléatoirement. Le raisonnement s'inverse alors. Nous sommes là, donc nous avons une grosse Lune capable de masquer le Soleil, et vu le temps nécessaire à l'apparition de la vie intelligente, celle-ci a pu s'éloigner quelque peu. L'éclipse solaire, exacte ou légèrement annulaire, est alors peut-être un simple coup de chance, pas si improbable une fois donné le paramètre, il existe une vie assez intelligente pour admirer ce spectacle. Mouais. J'aimerais une explication moins anthropocentrique. On verra si les premières formes de vie complexes que nous rencontrerons auront aussi une grosse lune et des éclipses de soleil corollaires. Reste une hypothèse, moins scientifique celle-là, celle de l'œuf de Pâques. Expression directement issue de l'informatique, un créateur aura toujours tendance à laisser une trace de son passage dans son œuvre, que ce soit un architecte par exemple, sur une stèle, une marque ou un informaticien. Il y a de très nombreux écrans ou des animations cachées dans beaucoup de logiciels, voire des films, même si la tradition se perd un petit peu. Le concept est repris par exemple dans le livre Stratagème ou Strata de Terry Pratchett, où des artisans concepteurs de planètes se font enguirlander pour être polis, quand ils laissent une improbabilité, une impossibilité géologique dans leur création. Tout doit sembler naturel et ancien. L'apparition d'une planète plate, totalement farfelue, autour de laquelle tourne un petit soleil, cerné d'une cascade géante où se déversent les océans, leur montre que leur univers, lui-même, est une vaste blague. Notre Lune trop parfaite est-elle un tel œuf de Pâques? Inutile d'aller chercher l'hypothèse d'un dieu omnipotent, omniscient, infiniment bon, un simple jardinier besogneux
format Atlas, ou un ingénieur un peu joueur, tendance God Games, suffit pourvu que le contrôle de la création et de la conception de planètes lui soit possible. Les jolies éclipses de soleil pourraient n'être qu'un cadeau ou une touche finale pour ces créatures. Quoique dans ce cas, le travail a été bâclé. Un alignement parfait des plans des orbites de la Lune et du Soleil aurait pu nous faire profiter d'une éclipse tous les mois.